des grattements de buzz en passant par la provocation gratuite à l'énervement. Dans cette vidéo, je vous fais mes top 7 des moments où tout a failli se gâter à la télé, où les invités et journalistes sont allés un peu loin. Après le décès de l'épouse de Suspect 95, Vicky Lolas a fait une publication sur Facebook qui n'a pas vraiment été appréciée par beaucoup d'internautes. Ainsi, il a été invité à l'émission Polémique afin de s'exprimer. Arrivé sur le plateau, le journaliste a profité pour lui poser un certain nombre de questions qui sont vraiment allées un peu loin. Jusqu'à ce qu'il s'en prenne même au journaliste. Regardez. Prochaine question. Est-ce qu'avant le décès de la femme de Suspect, tu as eu à dire à Suspect que tu n'étais pas d'accord avec son mouvement de syndicat? Mais j'étais en train de préparer une chanson même pour ça, parce que vers la fin, ils sont en train d'amener les enfants à se foutre des filles. Tu as regardé enfin des gens qui viennent de perdre son ça n'a rien à voir, j'ai pas le sujet. Attends, tu ne laisses pas le discours, mais il n'y a qu'un moment. Ou bien... On va garder le calme. Il ne peut pas faire ça, c'est pourquoi, pas possible. Pourquoi moi, je ne peux pas faire ça? Tu ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire quoi? On va rester calme. Oui, on va pas arriver, voilà, on va... Eudoxie Yao, où la femme de Campé était invitée à l'émission Fafa pour répondre à un certain nombre de questions. Arrivée sur le plateau, tout était bien et on suivait bien l'émission jusqu'à ce que un des journalistes commence à lui poser des questions sur ses vêtements intimes. Vraiment, elle n'a pas apprécié et je vous le dis, vous allez le voir. Quand tu te vois en noir, vidéo. Mets tes caleçons, tu mets en noir aussi? Bien sûr. Ah, tu mets les caleçons noirs? C'est oui. Ta couleur préférée en caleçon? Non. Les gens me préfèrent plus en blanc. Sinon, j'ai toutes les couleurs. Que ce soit en habillement, que ce soit en dessous. Non, ceux qui préfèrent en blanc, là, c'est des gens qui enlèvent tout ou pas? Attends, tu dis quoi? Le caleçon que tu mets là, c'est string ou mais c'est des bâches ou mais c'est des rats de fesses? Donc, vous m'avez invité ici à ce que vous venez me parler de mon caleçon? Non, pas forcément. Ma fête de caleçon qui était où dans ça? C'est de savoir quelle couleur, quel modèle de caleçon tu prends. Tu peux pas me poser ce genre de questions, je suis désolée. Tu es une personne publique. Non, tu n'as pas venu me parler de caleçon. Mais tu veux voir caleçon là. Non. Après la réalisation du clip Nyomi avec les défis du bio en featuring avec Niska, il a été invité par la télévision La 3 à l'émission Polémique. Il arrive et retrouve son opposant farouche Abomé l'éléphant présent. Selon Fior de Bior, il ne savait pas qu'Abomé l'éléphant était invité à la même émission que lui. Donc, avant même que l'émission débute, tout était détruit, tout était gâté. Fior de Bior a pris toutes ses affaires et a dégagé sur le plateau. Suivez avec moi. Pourquoi le choix de Fior? Dans cette vidéo, nous ne savons pas ce qui s'est passé précisément ou ce qui se passe entre Ariel Chiné et Safari Obiang. Mais c'est qu'on retient que Ariel Chiné était présent à l'émission Accusé élevez-vous jusqu'à ce que Safari Obiang arrive. À son arrivée, Safari Obiang commence à s'exprimer. Ariel Chiné dit au journaliste, dites à Safari de se taire. S'il continue de parler, je sors. Safari continue de parler. Ariel Chiné soulève ses affaires et sort. Vraiment, vous allez apprécier la vidéo. Safari Obiang qui a fait son entrée donc dans le studio. Et qui est en train de réclamer donc une place dans le studio, il veut s'asseoir. Donc si vous avez entendu ces plagiat, ben c'est Safari Obiang, voilà. Moi c'est la première fois, voilà, c'est la s'il vous plaît Safari, s'il vous plaît un peu de tenue parce que voilà, c'est pas un marché s'il vous plaît. OK? Voilà, c'est pas un marché ici, c'est une radio qui se respecte. C'est un procès aussi. Donc il faut aussi nous respecter, voilà. Merci infiniment. Alors donc on vous écoute très cher ami. Monsieur Willy. Oui. Si j'entends encore la voix de ce petit mot, il me casse d'ici. Non, on va se calmer, s'il vous plaît. Déjà, je vais demander à la sécurité, s'il vous plaît, la sécurité. Non, Ariel, on ne bouge pas, Ariel. Ariel, s'il vous plaît. C'est pas un garçon.
Barthélémy Inabo, après avoir traité Vital de chanteuse incompétente, a été traité de tous les noms sur les nets. Apoku National, faisant partie des internautes ayant réagi, a été traité aussi d'enfant impoli. Ainsi, sa mère, par exemple, sa mère, Bleu Brigitte, a été invitée par Ivoire TV afin de donner des explications. Arrivé sur le plateau, tout s'est mal déroulé quand le journaliste pose une certaine question. Suivez. Hein? Mais peut-être votre fils aussi n'a pas eu la manière aussi de lui répondre. Mais mon fils a mal fait. Je ne veux même pas faire. C'est de ces genres de choses où on dit non, le vieux père a eu tort, c'est pour ça que mon fils a réagi comme ça. Non. Les deux, il n'y a pas de discussion entre les deux. Même si Barthélémy même avait mal fait, c'est pas le devoir de mon fils de venir dire que non, papa Barthélémy, tu tousses dans le micro ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'il a même dit là. Vous. Ce n'est pas son devoir. Peut-être que c'est votre fils qui vit des berges, tout en sachant même de quoi, on ne sait même pas de quoi il vit en France. Il vit de quoi en France? Il vit de l'émission est terminée, je m'en vais. Je ne suis pas venu pour ça. Non, en fait, moi. Avec Eskili, on peut s'attendre à tout. Des moments de joie, des moments d'émotion et des moments vraiment étonnants. Dans cette vidéo-là, le journaliste était allé un peu loin et Eskili n'a pas apprécié. J'espère que vous aurez vraiment le temps de voir ce qui s'est passé. Justement, trop vieux. Et puis, il n'est pas le seul en même temps. La raison pour laquelle tu es là, il faut que tu nous expliques. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Les gens qui disent que, effectivement, que tu as pété les plombs. C'est quoi tu appelles péter les plombs? Explique-moi en vrai français. Tu es parti à l'école? C'est quoi péter les plombs? Il faut définir le mot. Qu'est-ce que ça veut dire péter les plombs? Péter les plombs, ça veut dire que tu n'as plus l'essence, tu n'as plus tes facultés mentales. D'accord. Quelqu'un qui n'a pas une faculté. Son français s'entend, mais t'as compris un peu? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, son français peut s'entendre. Mais t'as compris? On n'a pas tout compris dans les vidéos. Mais c'est justement parce qu'on n'a pas compris qu'on pose la question. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'a pas ses facultés, tu peux mettre sa vidéo? Mais c'est pas oui, Eskili, je t'explique un truc très facilement. Quelqu'un qui pense que la même. L'artiste est incontrôlable, on ne peut pas en ce moment le maîtriser. On va juste. Eskili, on va juste. Eskili, on va juste arrêter l'émission. Eskili, ouais. Toutes nos excuses pour tous les désagréments causés. On sera obligé de sursoir à cette émission. On s'en excuse. On a essayé autant que faire se peut de vous proposer ce numéro avec Eskili. Après un direct effectué par Vécu Lolas dans lequel il a porté des injures à certains artistes, comme le dit Karina Steele, Vécu Lolas et Karina Steele ont été invités à l'émission Accusé, levez-vous. Oui, toujours Vécu Lolas. Sachez très bien que c'est l'un des artistes que j'apprécie le plus. Donc, arrivé sur le plateau, tout était bien parti et les gens suivaient très bien l'émission jusqu'à ce que Karina Steele commence à énerver Vécu Lolas. Et Vécu Lolas quitte le plateau. J'espère que vous allez apprécier. Vécu, voilà, elle part rapidement. Ouais. Donc, il a fait un direct où il nous insultait et tout. Nous a traité de sorcières. Il dit non, c'est pas possible. Il a cité les noms et tout. Moi, je lui ai dit, j'ai fait la vidéo, j'ai expliqué pourquoi d'abord je ne suis pas venue. Et puis, je lui ai dit, il n'avait pas le droit de nous insulter parce qu'il est allé vraiment fort. C'est ça. Tout. Donc, c'est comme c'est moi qui ai répondu, et puis dans toutes les réponses, là, c'est moi, il moyen, c'est moi, il ne considère pas. Il s'est mis à me faire un direct plutôt pour m'insulter, me traiter de tout, cet imbécile-là. Ouais, bon, Vécu va essayer. Tu dis, mais Poud, font des tests. Tu dis, J'ai parlé des. Ah, tu as oublié. Non, tu me blagues ou pas. Est-ce que c'est toi qui as mis Arrête de mentir. C'est toi qui as mis pas ici ta tête pour venir au conseil. Qui a mis pas ici sa tête? On n'est toutes pas venues au conseil. Elle a mis pas ici sa tête pour venir. Mais elle a le droit aussi. Elle a le droit de donner. On a tenté de la joindre. Non, on a tenté de la joindre. C'est pas n'importe quoi. On a tenté de la joindre. C'est fatigué. Non. Elle vient faire son émission. Mais on a tenté de la joindre aussi. Voilà. Vécu, on se calme. On a tenté de la joindre. Mais qu'est-ce qui a été dit tout à l'heure par Vécu? Vécu, il faut respecter au moins tous ceux qui regardent ici en ce moment. Vécu, voilà. Bon, Vécu, va se rasseoir, s'il vous plaît. D'accord. Elle viendra prochainement, mais Vécu, au moins pour vos fans. J'espère que cette petite collection des tops vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, notez vos avis dans les commentaires surtout. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner aussi à la chaîne pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos que nous allons publier. Si vous avez aimé, partagez aussi. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.